Les créatures de la nuit, par Hubertus le Chauve, traduit du latin par son frère en prière, Fratibus Johann Marcus. De la monstruosité. Toi qui me lis, sache que la nuit engendre les monstres et que les créatures de la nuit existent. Le livre maudit d'Abdul al-Hasred l'affirme. N'est pas mort ce qui, à jamais, dort. Malheur à celui qui connaît le livre. Malheur à celui qui lira le texte impie. Malheur à celui qui implore les pierres. Il libérera les forces du mal. De l'abîme. Les eaux stagnantes ressemblent à la mémoire des hommes. Au-delà du calme trompeur de la surface se cachent les bêtes griffues et cruelles que l'initié connaît sous le nom de « profond ». Guettant sa proie, le profond agrippe l'infortuné pour l'entraîner vers les abysses où Dagon, le dieu cruel, nage en révérant celui dont le nom ne peut être prononcé. Des bibliothèques. Malheur à qui libère le rôdeur. Malheur à qui rencontre rôdeur qui erre parmi les livres. Celui-là génère le vagabond qui vient d'autres sphères. Il croit que le vagabond n'est pas. Il sentira l'étreinte de la mort car pour le vagabond, les livres ne sont que rêves, la pierre n'est que vent. Le vagabond pourtant sait cueillir le souffle de l'imprudent. Du combat. Celui qui parle ne sait pas et croit pouvoir tuer les créatures de la nuit. Folie ! Le mal se conjure par la science et le secret. Qui rôde parmi les livres périra par la lame de vérité. Qui vole dans les sombres cavernes hurlera d'effroi. Qui nage dans les profondeurs s'évaporera. Mais celui qui croit savoir ne sait rien. Celui qui sait ne parle pas. De la mort. Il est des mondes pires que la mort. N'est pas mort ce qui à jamais dort. Toute créature se conjure. Sa conjuration n'est pas sa mort, mais un retour vers l'origine. Un monstre, une science. L'acier tue le vagabond qui jamais ne meurt. Note du traducteur. Ici finit le manuscrit d'Hubertus, mort en d'horribles circonstances en la bibliothèque du couvent de Taroella en l'an de grâce 1666. Requiescat in pace.